Bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les breloques de la semaine. Les breloques de la semaine du 25 au 1er décembre 2024. Voilà, ça y est, on y arrive. À la fin de l'année, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer avec les breloques. On n'a pas changé. Donc, nous utilisons le tableau donc, de notre amie Marie-Laure Coutens, donc des oracles et des fées. Et on y va, ok? Donc, je vous rappelle, finance, état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière, amour, tout ça mélangé. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Et j'espère que nous allons avoir une très belle semaine. Il est près de Oscar qui est dans son panier là-bas. Changer de place le panier. Nous avons une croix qui est tombée. Donc, on va encore en mettre. Carrière, amour, finance, état d'esprit. Beaucoup de croix qui tombent là. Avec les autres breloques, on va voir ce que ça veut dire. Bon, alors. Tarot. Petit Lenormand, qu'est-ce que j'ai pour une... Je crois que j'avais laissé mon cintre. Petit Lenormand, les amis. Une, deux. Trois, quatre, cinq. Six, sept. 8. Ok. Là, les dominos. Une, deux. Trois. Pas les hommes. Quatre, cinq, six. Sept. 8, c'est juste, oui, et je vais rajouter une petite carte de cartomancie, on va rajouter comme ça aussi, oh. Elles vont un petit peu où elles veulent, hein, celles-ci, aujourd'hui. Il y en a partout. Non, pas dans le... Ah si, côté matériel, il y en a partout. Ok. On les remet dans le champignon. Le joker et la dame de cœur. Je pense que ça, ça veut nous dire peut-être qu'il faudrait laisser une chance à une amie, à une sœur, à une maman, à une personne, sur certainement une dame. C'est encore une fois, n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. Hein, donc c'est un tirage général, il peut vous parler comme il peut ne pas vous parler du tout. Évidemment, il va vous parler probablement aussi dans la semaine. Hein, peut-être que c'est quelque chose, vous allez dire non, ça ne me parle pas. Et puis pendant la semaine, vous allez vous y retrouver, d'accord? Donc ici, peut-être, moi je pense que c'est comme si il y a quelqu'un qui va essayer de se réconcilier, ou comme si on va essayer de donner, ou on va accepter des excuses, on va donner une deuxième chance à une personne. Alors, je pense que c'est une maman, mais
comme c'est général, ça peut être aussi un papa, un frère, vous voyez. Voilà, peut-être qu'on est dans des énergies de pardon. De pardon, c'est possible. C'est peut-être aussi une rencontre amoureuse ici. Il pourrait y avoir une rencontre amoureuse. On pourrait revoir peut-être aussi un ex qui pourrait revenir demander pardon. Je ne sais pas. Ça varie pour chacun. Bon, on y va. On commence par les finances, comme d'habitude, comme ça on termine par l'amour. Bon, alors, on va... Il y a... Attendez. Il y a une chance, hein, une chance du bonheur, de la chance ici qui est en train d'arriver. Nous avons notre as de pique. Donc, on signe. Donc là, on est dans les signatures, dans des signatures de contrat, on est dans des concrétisations officielles. Donc, signer un contrat de travail, un contrat, signer un crédit, signer un achat, la vente, la location, signer des... On est un petit peu aussi dans la fête. Dans la fête, ça veut dire, ici, jusque-là, c'est pas la fête de fin d'année, c'est la fête de... On fête quelque chose parce qu'on est heureux, parce que ça fonctionne, parce que ça marche. Et voilà, on est vraiment dans des énergies de... joyeuse, de joie, de bonheur, de chance, j'allais dire d'association peut-être, mais ce n'est pas ça que je dois dire par rapport à ce que j'ai. Enfin, si mon mot est sorti, peut-être qu'il y a une raison. Mais en tout cas, c'est financier, c'est matériel, donc peut-être qu'on va s'arranger, on trouve des solutions. Effectivement, on trouve des solutions. Et attention aux potins. D'accord? Attention au potin, ou attention au potin, ou alors ne prêtez pas attention à ce que l'on pourrait dire, parce que justement ce ne sont que des potins, que des mauvaises paroles de mauvaises personnes ou de personnes jalouses. Oui, vous allez avoir des tentations d'ordre matériel, d'ordre financier, donc là peut-être qu'il faudra faire attention à ne pas faire n'importe quoi, ne pas dépenser vos sous n'importe comment. Parce que ça pourrait, il pourrait y avoir des tentations. Il pourrait s'agir d'une personne aussi, hein, une personne qui vous tente. Alors ça, c'est vous, madame, ou c'est votre madame. Donc, vous êtes vraiment voilà, impliqué dans le domaine matériel. On a aussi une offre. Alors, j'ai une personne qui pourrait venir vous aider. C'est un messager, c'est le valet de coupe. Donc, le messager, c'est un messager d'amour, d'amitié. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire chaud au cœur et ça va vous donner beaucoup d'émotions. Donc, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. Donc, on a aussi l'amour qui ressort. J'ai de nouveau financièrement aussi, peut-être qu'on s'y retrouve. On est dans la paix, on est dans des énergies de réconciliation, mais aussi peut-être nouvel amour, parce qu'on a quand même des cartes qui nous parlent de ça, nouvel amour, des solutions que l'on trouve, on fête quelque chose, donc on pourrait fêter quelque chose qui a été interrompu, par exemple. Donc, des cadeaux. Bon, là, on prépare les fêtes, mais là, c'est normal, puisque nous y sommes. Fin de ma consultation. Pardon, désolée. Je vais le couper. Comme ça, on est sûr que je n'en aurai plus. Ok, avec celui-là. Alors, ça, on est dans le domaine amoureux. Ok, je ferai après. À cheval, avec les finances et l'amour, donc je le ferai après. Nous avons des achats. Alors, ça, on va devoir se déplacer. Il y a des gens qui arrivent. Vous allez chez des gens. On est dans des réalisations. On réalise quelque chose. Donc, je pense que c'est une semaine où les vœux vont se réaliser, où on va mettre en place des choses pour que justement nos voeux se réalisent, se concrétisent. Vous allez peut-être devoir mettre la main à la pâte, effectivement. Oui, vous allez peut-être devoir mettre la main à la pâte. Vous allez peut-être
il y a quelque chose que vous allez devoir faire, à mon avis, physiquement, avec les mains, construire quelque chose. Pour moi, c'est plus physique que mental, et ça correspond aux finances, à l'argent, à quelque chose, peut-être pour économiser aussi. Vous allez vous dire, bon, ben, écoute, je ne vais pas me faire venir le peintre, je vais peindre moi-même. Voilà, par exemple. Ou vous allez dire, je ne vais pas faire venir le peintre, tu vas peindre toi-même. C'est mieux. Enfin, voilà, donc on est dans ces énergies-là par rapport aux finances. Donc là, les choses s'arrangent. Il y a juste un petit peu des potins et une petite tentation, mais ça, vous le savez, le reste, c'est très, très, très positif. On signe, on a vraiment aussi, on a la signature, la solution, on trouve des solutions financières d'ordre matériel aussi. On trouve des solutions, on a la clé d'une maison ou d'une voiture ou de l'achat de quelque chose. Donc on a la clé, on va pouvoir avancer, évoluer. On est dans les hésitations. On hésite parce qu'on veut s'ancrer. On veut être ancré, on veut être bien. Il y a des changements. J'ai vu ça ici. Il y a des changements. On est dans les changements, dans le succès. Donc votre état d'esprit, votre bien-être, vous allez vraiment vers quelque chose de très positif où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. On est vraiment dans des. Je pense que vous êtes peut-être dans l'hésitation. Peut-être matériellement, donc vous tracassez, vous pesez le pour et le contre, mais vous allez trouver une stabilité. Donc vous allez pouvoir ne plus, vous n'allez plus être justement dans l'instabilité, vous allez vous ancrer. Pour le moment, je pense que on vous demande de creuser vos fondations pour pouvoir construire quelque chose de solide. Parce que pour certains ou certaines, vous êtes toujours, vous dansez d'un pied sur l'autre. Vous ne savez pas très bien où vous allez, effectivement, mais vous y allez et vous allez vers quelque chose de super positif et de super équilibré. Ça nous parle aussi de justice. Donc, il y a, dans votre tête, il y a un mieux-être parce que vous allez retrouver un équilibre ou enfin trouver un équilibre. Bon, là, je ne peux pas vous dire non plus qu'on est dans un monde de bisounours. Donc, il y a quelques difficultés par rapport à la famille. Il y a peut-être des soucis par rapport à la famille. Mais ces soucis pourraient s'arranger peut-être avec grâce au fait ou grâce... grâce à cette fin d'année qui arrive, il y a des énergies... d'amour, de sentiments positifs qui sont en train d'arriver. Donc, peut-être que s'il y a... Ben, du coup, ça peut être la réconciliation ici. Donc, il est possible... Peut-être que vous ne voulez pas, ou vous souffrez de quelque chose, d'une dispute, vous souffrez d'une situation que vous n'aimez pas du tout. Et parce que dispute, conflit, vous portez votre croix, on ne vous pardonne pas peut-être. Mais là, il y a les choses qui pourraient vraiment changer. On parle de famille, on a l'amour aussi. Donc j'ai aussi ici la construction d'une famille. Donc on construit une famille. D'où peut-être cette instabilité et cette stabilité. Voilà. Donc on devient plus stable et on construit sa famille, son foyer. Il faudrait réfléchir à faire certaines choses au bon moment. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Mais après, si c'est trop tard, vous allez passer outre et vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ou alors, oui, vous ne pourrez pas revenir en arrière, mais l'occasion pourrait se représenter, mais pas tout de suite. Donc oui, effectivement, mais ce que vous avez, j'ai envie de dire, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Vous savez ce que vous avez, vous ne savez pas ce que vous aurez. Donc si on vous dit, fais ça, mais arrête, limite-toi à ça, mais limitez-vous à ça, parce que c'est mieux comme ça. On a des cadeaux, on prépare des cadeaux,
Des bijoux, je vois des bijoux. On veut aussi, bah évidemment, hein, enfin, c'est pas parce qu'on est au fait qu'on ne peut pas s'apprêter, mais je veux dire, on arrive au fait, on n'y est pas encore, hein, heureusement. Mais voilà, on prévoit peut-être des tenues, on prévoit des rendez-vous, coiffeurs, etc., etc. On a vraiment un mieux-être ici. Hein. D'ici la fin de l'année, il y a des choses qui vont vraiment s'arranger. Et c'est en train de se préparer même déjà cette semaine. Bon, ça c'est parfait. Bon, ici, il y a des changements partenariats. J'ai aussi quelque chose qui est en rapport avec l'enfance, la petite enfance, l'adolescence. Nous avons des opportunités, des bonnes nouvelles qui arrivent, des contrats qui pourraient être signés aussi, des signatures. On gagne. Alors là, vous gagnez, là. Vous êtes le roi, vous êtes la reine, mais là, vous gagnez vraiment. Je pense que c'est. Vous allez gagner quelque chose, donc vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Et il est possible que ce soit par rapport à votre situation, à votre entourage. À votre entourage, à votre vie, sociale. De toute façon, c'est du positif. Si vous avez des soucis et que ça vous met mal à l'aise, il y a du positif. Donc, il y a du positif qui vient là. Il y a du positif qui vient. On va peut-être vous remercier aussi pour quelque chose. Ou vous allez vous remercier quelqu'un pour quelque chose. Donc, on va vraiment vers du positif. Donc, si souci il y a eu, ben, souci il n'y aura plus. On vous demande d'avancer. On vous demande d'avancer, de ne pas avoir peur. Il y a certaines choses que vous devrez bouger aussi. Donc, vous devrez aussi. Il y a des choses que vous allez devoir bouger, des choses que vous ne pouvez pas laisser se mélanger en fait. Des choses qu'on ne peut pas laisser se mélanger. Non. Vous devrez vous-même, c'est vous-même qui allez devoir réfléchir. Et vous allez vous dire, mais non, mais ça ne va pas avec ça, ou ça ne va pas avec ça. Donc, c'est vous qui allez prendre l'initiative de faire d'enlever ce qui doit être enlevé. On a la protection, on a la protection et on a la direction dans le sens où on peut nous diriger, on pourrait nous. Alors, j'allais dire nous influencer, oui, bien sûr, mais ce sera positif. Ce serait positif, une influence positive. Alors, j'ai le mot cold case qui vient dans ma tête, mais ça ne va pas vous parler, peut-être que oui, mais bon. Quelque chose de refroidi qui va bouger. Quelque chose que vous. Beaucoup de chance ici par rapport à quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était refroidi. J'espère que vous allez comprendre ce que je sors par la bouche. Quelque chose qui était refroidi, quelque chose qui ne bougeait plus, qui stagnait depuis longtemps, peut-être parfois tellement longtemps que vous n'y pensez même plus. Eh bien, là, les choses sont en train de bouger et on va pouvoir réveiller. Il y a quelque chose qui va se réveiller. Et c'est comme si on allait reprendre en cours. C'est comme si on allait. Mon Dieu. Reprendre des papiers. Pour pouvoir continuer une enquête, par exemple. Donc, on va réouvrir une enquête, réouvrir des recherches, parce qu'il y a certainement des nouveaux éléments qui arrivent, qui vont faire que
ce qui était gelé ne le soit plus. En tout cas, ça va se dégeler. Donc, il y a des choses qui vont évoluer. C'est des choses qui étaient bloquées d'une manière ou d'une autre qui vont évoluer. Donc, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Oui. On a cette notion de beauté là aussi, la beauté, le peut-être qu'on vous demande, ou c'est vous qui vous dites, bon maintenant je me bouge un petit peu, je m'occupe de moi. Oui, on vous demande peut-être de s'occuper un peu de vous, vous occuper de vous-même. On vous demande de vous occuper de vous-même. Alors. Dans votre entourage, il y a des gens jaloux, des gens qui essaient peut-être de vous poser des problèmes, mais il y a quelque chose, un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ et une nouvelle passion. Donc, il y a vraiment ce côté passion qui est là, qui va vous aider à passer outre de la jalousie ou des problèmes que des gens essayent de vous faire avoir. Mais aussi, ça nous parlera d'émotions, d'émotions. Peut-être aussi de l'émotion par rapport à quelque chose qui va commencer. De l'émotion parce que vous allez pouvoir entreprendre quelque chose. On a vraiment ici notre as de bâton. Donc, on entreprend quelque chose. C'est une passion. Et en plus, c'est quelque chose qui va être bien géré et qui va être correct. Et qui va être officiel où on va se faire aider par une personne de loi ou de pouvoir. Donc ici, c'est la création. Peut-être qu'on va signer, oui, j'ai des documents. Donc on peut signer des documents qui pourraient justement... justement faire que les choses vont bouger et vont se... Donc, un nouveau départ, oui. Oui, oui, tout à fait, un nouveau départ. Mais ça concernerait aussi, quelque part, ça concernerait votre vie sociale. Il est possible aussi qu'une personne du passé revienne vers vous. Une personne du passé pourrait revenir vers vous. Ah oui, j'ai aussi ici là, une récompense grâce au travail. Alors, au travail dans le sens travail indépendant ou travail pour un patron, peu importe. Donc, on a une récompense, on est content. Et donc, c'est grâce au travail ou grâce à un travail que vous avez fourni d'une manière ou d'une autre, mental, physique. Donc, vous avez créé quelque chose et vous êtes récompensé. Là, vraiment, vous êtes vraiment très récompensé. Vous maîtrisez, pratiquement, vous maîtrisez la situation. Vous allez vers quelque chose. Si vous voulez créer quelque chose, vous allez y arriver. On vous demande de continuer comme ça. En tout cas, allez-y, entreprenez-vous. Entreprenez ce que vous voulez. Et ne tenez pas compte de certaines personnes qui pourraient vous jalouser, vous envier. Ne tenez pas compte de la jalousie et de l'envie de certaines personnes. J'ai un anniversaire, en fait, j'ai une fête. Alors, oui, vous allez me dire son effet d'année, mais non, il y a autre chose. Cadeau, surprise. 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 Donc, peut-être que vous allez vous surprendre vous-même par rapport à ce que vous allez entreprendre. Peut-être que vous allez oser entreprendre. Alors, le bouche à oreille, on me dit ici. Le bouche à oreille, on va parler et ce sera du positif pour vous. Donc, vous faire connaître, le savoir-faire et le faire savoir. Voilà, vous avez le savoir-faire, maintenant vous devez le faire savoir. On a vraiment un côté aussi magique dans le sens, on travaille avec les énergies. On travaille avec les énergies, des offres. Alors, vous allez avoir un nouveau départ aussi. On a l'as de Denis ici.
Donc, on a un nouveau départ financier. Parce que vous allez pouvoir prendre des décisions. Vous allez pouvoir prendre des décisions. Des décisions vont pouvoir s'opérer. Donc, vous allez pouvoir prendre des décisions. Faites attention quand même à ne pas. Encore une fois, ce domino, il peut nous parler de changement, mais ça pourrait être pour du pire. Donc, comme je disais tout à l'heure, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Donc, vraiment. Donc là, vous allez prendre des décisions. Des décisions parce qu'il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. Pour moi, c'est positif, mais quand même, avec le domino qui nous remet un petit peu les pieds sur terre ici, attention de ne pas changer quelque chose pour que ce soit pire. Alors, attention, parce que moi ici, ce que j'ai ici, alors oui, ça c'est rare quand ça sort, mais vous allez peut-être faire des sorts ou vous avez envie de faire un sort, de faire un rituel. Donc, ça veut dire qu'on fait de la magie, ça veut dire qu'on travaille les énergies, tout simplement, on travaille avec les énergies, on va se faire quelque chose qui pourrait être vraiment vous retomber. Donc, le karma, attention, le karma pourrait revenir vers vous si vous prenez les décisions de faire du mal, de travailler avec les mauvaises énergies, on va dire, entre guillemets, parce que la magie n'a pas de couleur. On va dire, ne faites pas de magie noire, d'accord? Ne faites pas, laissez le libre arbitre aux gens. Donc, même si vous faites quelque chose, vous pensez que c'est bien, vous vous dites, c'est la magie blanche, ça ne saurait pas faire du tort. Ça ne saurait pas faire du tort peut-être à cette personne-là, parce que c'est votre ami, vous allez faire quelque chose pour l'aider, vous allez lui faire revenir son copain. Et le copain, il va revenir, mais vous enlevez le libre arbitre au copain. Et donc, ça va vous retomber dessus. Donc, faites attention. Parce qu'on ne peut pas enlever le libre arbitre aux gens. Ce qui est positif, oui, c'est pas de la magie noire, parce que je fais revenir l'ami ou le copain ou le mari de mon ami, mais lui, il ne veut pas revenir, mais il va revenir parce que les énergies, on lui demande, on l'oblige à revenir, mais lui va être malheureux et donc vous serez impacté du retour. Donc attention de ne pas faire changer les choses pour avoir du pire. Vous pouvez aussi travailler des énergies, j'invente ici, vous dites, je veux que ce mec-là, il soit amoureux de moi. Je fais un travail, un rituel pour ça. Bon, d'accord, le mec, il va tomber amoureux, effectivement, mais il va tellement être amoureux que vous ne saurez jamais plus vous en débarrasser et il va vous coller, il va être jaloux, ça va être pire que tout. Donc, réfléchissez avant de travailler avec les énergies. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. C'est rare, parce que je pense même que ça n'est jamais sorti en breloque, ce genre de situation. Donc, vraiment... j'ai aussi par rapport au foyer, on a une maladie. Alors là, c'est beau ça, parce que on a une maladie qui va être on a de la chance par rapport à une maladie ou un problème de santé. Donc là, on a comme une rémission aussi réconciliation, encore une fois. Donc il faudra saisir sa chance pour pouvoir réparer quelque chose, pour pouvoir corriger quelque chose ou pour pouvoir tout simplement ou que les choses ne s'empirent pas. Peut-être qu'on va vous dire, alors les conseillers ne sont pas les payeurs, mais peut-être que là, vous pourriez peut-être éventuellement écouter, de toute façon, ce que les gens vous disent, écouter les conseils que l'on vous donne, écouter, analyser, parce que ce n'est pas toujours de mauvais conseils. D'accord ? Même si les conseillers ne sont pas les payeurs, ici, c'est bizarre, mais voilà, on a quand même cette... ces énergies-là qui nous parlent en tout cas d'analyser des conseils que l'on pourrait vous donner. Nous avons encore une fois des accords, des signatures et quelque chose qui est débloqué, le 6 de carreau. Donc on a un déblocage d'une situation et on trouve la stabilité et la sécurité. D'accord, ça nous parle de stabilité et de sécurité. C'est très très positif, le 4 de trèfle. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose. Je ne parle pas spécialement de cette magie, de ce travail d'énergie. D'accord, j'en ai plus parlé parce que ben, il faut vraiment savoir que quand on travaille avec de la magie, quand on travaille des énergies, ben, ça peut être dangereux. Il faut réfléchir comment vous faites les choses.
réfléchissez à ce que vous faites à l'autre personne, peut-être pour satisfaire une personne. Si vous enlevez le libre arbitre à quelqu'un, vous allez le payer. Alors, je pense qu'ici, il y a quelqu'un, peut-être un ado ou un enfant, qui va voler de ses propres ailes. Il y a un enfant qui va prendre des décisions de liberté ou de créer. Alors, peut-être qu'il y a une grossesse pas prévue, une grossesse qui n'est pas prévue. Il y a quelque chose qui est en rapport avec la famille. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas prévu. Ça peut être une grossesse, ça peut être justement l'enfant s'envole du nid, il s'en va du nid. Le départ d'un enfant, le départ d'un ado, le départ d'un cousin. Quand je dis départ, ça veut dire que cette personne va voler de ses propres ailes. Alors, n'agissez pas à chaud. N'agissez pas à chaud. Vous allez peut-être être tout excité parce que, waouh, on va le faire, on va le faire, ça se présente. Réfléchissez. On est beaucoup dans la réflexion ici. On est beaucoup dans la réflexion cette semaine. N'agissez pas n'importe comment. Faites attention. Alors, j'ai encore cette notion de temps, mais de temps météo. La météo des fêtes, j'allais dire prévoyez qu'il peut peut-être pleuvoir si vous voulez faire quelque chose dans le jardin. Maintenant, c'est vrai que moi, là où je suis, c'est ce que je peux dire, mais là où peut-être, si on remonte en France ou en Belgique, on va pas faire des trucs dans le jardin, à mon avis, pour le moment. Hein. Mais si vous êtes ailleurs, parce que j'ai quand même des gens qui regardent ailleurs, et voilà, mais c'est quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui pourrait changer par rapport à la météo. Ou alors on vous demande, faites attention à la météo. Peut-être faites attention, ne vous mettez pas en route à cause de la météo. La météo pourrait être dangereuse. Mais je ne vois pas spécialement d'accident, etc. Hein, pas du tout. Mais vous devez réfléchir. Réfléchissez à... j'ai cette notion d'amusement et de météo. Peut-être qu'on vous demande de ne pas boire ou de prévoir un bob. Bon. Alors, il y a des blocages pour certaines personnes par rapport au foyer, par rapport à la maison. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Nous avons de la jalousie aussi ici. On a de la jalousie. On a peut-être même de la tromperie. Bon. Attendez, hein. Il y a peut-être même de la tromperie et du coup il y a un blocage. Ou alors vous pensez qu'il y a tromperie et quelque part ça vous bloque. J'ai une addiction ici, j'ai des tentations. J'ai des tentations, donc par rapport au foyer ou à l'achat d'une maison, la vente, la location. Mais on est dans la protection. Voilà, ok. On est quand même protégé. Il y a des choses que vous allez éliminer d'office. Donc, on a l'arcane sans nom. Donc, il y a des choses que vous allez éliminer. Il est possible aussi que ce soit tout simplement une mauvaise personne qui vient chez vous. Quelqu'un qui s'impose un peu trop souvent. Quelqu'un qui va dans vos armoires sans vous le demander. Quelqu'un qui... Il vaut mieux éliminer... Il faudrait peut-être éliminer certaines personnes. Des personnes qui essaient de vous influencer ou d'influencer quelqu'un de votre famille par rapport à peut-être à une addiction. Ça peut parler aussi de travail. Ça pourrait être en rapport foyer, travail, carrière, maison, famille... Tentation, addiction. Donc peut-être qu'il y a une addiction qui pourrait être un petit peu embêtante par rapport au travail que vous fournissez ou à cause de cette addiction ou de cette problématique. Mais c'est comme si vous étiez vraiment influencé. Hein. Il y a vraiment une influence. Vous ou quelqu'un de proche, hein, bien évidemment. C'est pas...
Mais il y a dans votre foyer, dans votre famille, il y a quelque chose, qui n'est peut-être pas. Enfin voilà, vous devez absolument tourner la page. On vous demande peut-être justement, on reste quand même dans le côté peu ésotérique, on vous demande de purifier votre maison, de purifier votre maison. Oui, tout à fait. Purifier votre maison. Il est possible ici qu'il y ait des personnes, alors j'ai hommes et femmes, hommes ou femmes, couple, mal intentionnés, d'accord, qui essaient de vous faire changer, qui essaient de vous faire changer de carrière peut-être. On vous fait miroiter des choses qui sont fausses. On pourrait vous faire miroiter des choses qui sont fausses. Beaucoup de bruit ici. Mais on a quand même beaucoup de protection. Donc on a la famille qui nous protège, on protège notre famille, on crée notre famille, notre foyer. Je vois aussi des cours à la maison, ou l'école à la maison, ou alors tout simplement le travail à la maison, travail de la maison. Ça me parle aussi de formation, d'études, de formation, d'études. Nous avons ici la loi, un homme de loi ou l'administratif. Donc on est de l'administratif. On a quelque chose qui ne bouge pas pour le moment, quelque chose peut-être de bloqué, qui va se débloquer. Ça va se débloquer parce que j'ai gardé le domino pour la fin ici. Donc ça, c'est vraiment le bonheur, la joie, la détente, etc. Donc finalement, on est quand même dans des énergies de joie, de bonheur au foyer. Par rapport à la maison, je pense ici qu'on nous demande vraiment, parce que ça peut être pour moi bien évidemment aussi, de faire attention à qui vient chez nous, qu'est-ce qui vient chez nous, est-ce que ce ne sont pas des gens ou une personne ou un couple qui viendrait mal intentionné, qui essaie de nous diriger consciemment, ou on n'en est peut-être pas conscient du tout. Ou alors on vous dit, mais attends, mais tu vas te réconcilier avec ta mère alors qu'elle t'a fait ça et ça et ça. Ce sera de la jalousie et ce sera, voilà, pesez vous-même le pour et le contre. Voilà, les gens, c'est pas eux qui vont, c'est pas sur eux que ça va. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va mal vous conseiller et peut-être que ce sera un couple. Ça peut être quelqu'un de la famille. Un couple qui fait partie de votre famille, mais il est possible aussi que ce soit un couple, père-fille, mère-fils. Bon, on est dans des généraux, donc mère-fille, père-fils. On va essayer de vous influencer. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un de la famille, parce que vous avez une carrière professionnelle familiale, et là on pourrait essayer de vous faire signer des choses, on pourrait essayer de vous faire signer des choses, mais normalement vous devez le voir. Donc vraiment, ici l'arcane sans nom, vous devez absolument. Il y a une transformation, c'est mort et résurrection. Donc on est ici dans des choses que vous allez laisser tomber pour mieux vous reconstruire ou pour mieux reconstruire votre foyer. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose depuis un moment ou un long moment ou un court moment, mais peut-être que il y a quelque chose qui vous tracasse dans votre foyer, dans votre maison. Ah oui, c'est ça. Les énergies aussi. Les énergies du foyer. On vous demande de. Allez, avec la sauge. De purifier votre maison aussi. On vous demande de purifier votre maison. Parce que peut-être que elle a été habitée par des gens qui ont justement pratiqué de la magie ou des rituels. Voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans votre maison, d'accord? Donc si vous ne vous sentez pas bien dans votre maison, même que ça fait un bon bout de temps, là, on vous demande de la purifier, tout simplement. Ne croyez pas que. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait faire quelque chose et peut-être faire appel à quelqu'un qui sait le faire si vous ne savez pas bien le faire. Donc faites appel à quelqu'un qui viendra purifier votre maison ou qui viendra, je ne sais plus comment ça s'appelle,
des gens qui viennent mesurer s'il n'y a pas une source qui viennent mettre des tiges de cuivre ou qui change, qui vous dit bah, il faudrait peut-être changer ton lit parce que là tu es juste sur une source ou sur un croisement d'énergie. Donc peut-être il faudrait juste que tu déplaces ceci ou cela. On peut parler de feng shui aussi, mais voilà. Oui, bien sûr, on peut parler de feng shui. Donc, il y a toujours un remède si vous vous sentez pas bien dans votre, si vous ne vous sentez pas bien dans votre maison, si vous ne vous sentez pas bien dans votre foyer, dans votre famille, il y a des solutions parce que il y a de mauvaises énergies. Et ces mauvaises énergies, elles peuvent s'en aller. Vraiment, elles peuvent s'en aller. Bon, maintenant, ça va dépendre de quoi, mais oui, elles peuvent vraiment s'en aller. D'accord ? Oui, de toute façon. Même parfois, on peut être malade, donc malade, mal dans sa peau, mal dans sa tête, mal dans son corps, avoir des problèmes de santé, maladie, etc., à cause justement des énergies de la maison. Donc posez-vous la question. Moi maintenant, par exemple, mon exemple, je sais que ma maison en Belgique ne me convient plus. Par exemple, parce que je sais qu'il y a des énergies, maintenant j'ai compris qu'il y avait des énergies. Maintenant, quand j'ai retourné, je vais essayer de les enlever, mais voilà. Il y a parfois, il faut faire la part des choses. C'est pour ça que je me sens mieux ici, d'ailleurs. Bon, voilà. Allez, on continue, les amis, avec le côté carrière professionnelle. Donc... Ah bon, là, on vous demande de faire attention à ce que vous dites et peut-être qu'il y a un ami ou une amie à aider, certainement par rapport au travail. Peut-être faites attention à ce que vous vous dites au travail parce que vous pourriez blesser quelqu'un, rendre triste quelqu'un. Peut-être qu'on s'en fout, hein, ça, voilà. On pourrait avoir quand même des conflits, des disputes. On pourrait aussi faire une rencontre. On pourrait faire une rencontre. Moi, j'ai une attirance physique, moi, ici. J'ai une attirance physique. Donc, l'attirance physique... pourrait apporter de la tristesse. Parce que l'attirance physique pourrait devenir plus que physique, donc... sentimentale, et ça pourrait vous apporter de la tristesse. Réfléchissez, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, mais réfléchissez si vous êtes sur le point de craquer, ou si vous avez craqué et que c'est nouveau, et que vous commencez à vous sentir mal, que vous avez envie de pleurer, vous ne savez pas pourquoi, enfin, c'est mal barré, là. Oui, vous voyez, j'ai encore avec la papesse, on a encore un petit peu dans ces énergies de tristesse, de secret. Donc effectivement, je pourrais ici avoir au niveau du travail quelque chose de secret, quelque chose qui pourrait justement apporter de la tristesse. Ce n'est peut-être pas encore d'actualité, mais analyser la situation. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, il est possible aussi qu'il y ait des petits conflits, des petites disputes, ou qu'il y ait des choses, des mensonges. Il est possible aussi qu'il y ait des mensonges, que quelqu'un mente pour vous faire du tort. Mais voilà, ça se peut aussi, ou vous pourriez vous mentir pour faire du tort. Mais on est dans la protection quand même, on est bien protégé. Hein. J'ai la main de Fatma là aussi, donc on est quand même très très bien protégé malgré tout. Il y aura peut-être des petits retards par rapport à... dans le domaine professionnel, donc peut-être qu'il y aura des petits retards et vous allez devoir faire face à vos responsabilités. Donc j'ai le 9 de Denis, le 9 de carreau et le 8 de pique. Donc vous allez devoir faire face à des responsabilités. Donc ça nous dit quand même qu'ici on doit faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Ça peut aussi être tout à fait pas du tout d'ordre attirance physique, ça peut être autre chose, mais ça vous le savez, vous allez le savoir. Voilà, c'est peut-être pas encore d'actualité non plus, mais si ça arrive, ben, réfléchissez.
On a des études, donc on vous demande peut-être de vous mettre à jour, on vous demande de faire une formation, peut-être pour être vraiment à jour dans votre travail. Il y a des déplacements professionnels ici, ou alors vous allez choisir de faire un travail qui va faire que vous allez vous déplacer. Un enseignement, oui, peut-être que c'est vous qui allez enseigner quelque chose à quelqu'un. Peut-être on a un cadeau ici, on a un cadeau de la vie. On a de la chance, on a du bonheur, on a de la joie. On va tenir, on va reprendre les choses en main. Donc là, on se ressaisit pour certains ou certaines. Vous allez de nouveau dominer la situation, point de vue finance, peut-être aussi, puisque c'est domaine professionnel. Donc maintenant, vous allez pouvoir regérer la situation, retenir la barre, et voilà, vous allez reprendre les choses en main. Il y a aussi une réparation de quelque chose par rapport au travail. J'ai quand même un amour ici, parce que là on est dans le domaine. J'ai un amour ici. J'ai un amour et le côté professionnel et le côté amoureux. Donc, voilà, une relation amoureuse au niveau du travail. Je ne rentre pas dans les détails. Donc là, on est justement dans le domaine amoureux, à côté du travail et finances. Donc, mais bon, ça n'a rien à voir. Et si j'ai. Je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Enfin, si je le dis, c'est qu'il y a une raison. Nous avons notre 3 de trèfle qui nous parle de réussite et de beaucoup de travail, mais on est dans l'amour ici. Donc, on vous dit, ben voilà, on a la clé de la réussite. Donc, on vous dit qu'il faudra peut-être encore travailler un peu sur vous pour pouvoir réussir et pour pouvoir arriver à ce que vous désirez arriver. On a des changements chanceux ici, changements chanceux. En amour. Donc les choses qui vont changer et qui vont apporter de la chance. Et regardez, on a le 10 de coupe en amour. Donc c'est le foyer, c'est la chance, c'est l'amour. Donc en amour, franchement, voilà, c'est très très bien. On a une grossesse éventuelle aussi. On a une grossesse. On a, ben oui, c'est marrant parce qu'ici j'ai ce côté astrologique encore qui est là. Planète, signe du zodiaque, ça va peut-être vous parler. Là, j'ai une réconciliation avec une maman encore, donc ça confirme un peu ce que je dis. Maintenant, c'est un tirage général, ça peut être avec un papa, mais on a l'amour d'une mère, la réconciliation d'une maman avec une maman, oui. J'ai la coccinelle, j'ai le papillon, donc il y a des transformations. La coccinelle, c'est vraiment vous faites un vœu et le vœu, vous envoyez vos pensées, vous envoyez votre vœu à l'univers et vous allez recevoir ce que vous voulez. Mais le papillon, c'est aussi transformation, évidemment. On a la cigogne, donc vous voyez, on est quand même dans des énergies de maternité aussi, de maternité, de changement. Peut-être aussi de déménagement, désolé, j'ai ma voix qui s'en va, de changement, de déménagement. On a l'amour dans l'amour, la réussite. On a donc des solutions, on va trouver des solutions. On trouve des solutions, on trouve la clé ici, ça peut aussi être la clé de notre nouvel lieu, de notre nouveau lieu de vie. C'est super positif, malgré tout, hein, c'est super positif ici aussi. Ce que j'ai parlé là, c'est vrai que ça peut paraître négatif, mais il faut que je le dise. Je ne peux pas dire tout est rose, mais si tout peut être rose, puisque là vous avez la chance de le savoir, donc vous avez la chance de ne pas faire l'erreur. Voyez? Vous avez la chance de pouvoir réfléchir, de pouvoir ne pas faire rentrer un couple qui pourrait être négatif dans votre foyer, de ne pas, voilà, ou de faire la part des choses. Donc, c'est très positif de le savoir parce qu'on a plein de choses positives. Mais en amour, ici, on a beaucoup de chance, on a de l'amour, on a des réconciliations, on a des festivités, on a la protection, on a de la joie, on trouve aussi une forme de liberté. On trouve une forme de liberté,
on est soulagé aussi de quelque chose et on a ce côté, vraiment, moi j'ai ce côté, les vœux réalisés, mais. J'ai ici, avec le 9 de denier, j'ai aussi ce côté célibat. Célibat, et on pourrait faire une rencontre. Oui, on pourrait faire une rencontre. Vous pourriez aussi rencontrer une personne qui a déjà des enfants. Ou vous êtes avec une personne qui a des enfants. Quand on prend le taureau, on prend le troupeau. N'oubliez pas. Donc, vous prenez quelqu'un qui a des enfants, il faudra quand même assumer. Hein. Ne lui demandez pas qu'il abandonne ses enfants, ou il ne faut pas être jaloux de voilà, hein, d'accord? Enfin, dans un juste. Il y a des fois, on ne saurait pas faire autrement. Voilà, si les enfants sont tellement désagréables, ben, voilà, tant pis, mais voilà. Alors, nous avons. Nous avons tout ça, donc c'est parfait. Il y a, je ne sais pas, cette notion du signe du zodiaque. On va, je sais pas, il y a une analyse, peut-être. Vous allez vous. Ah ben oui, on est fin d'année, donc peut-être vous allez faire une analyse astrologique pour l'année prochaine, par exemple. D'accord? On a aussi ces énergies-là. Mais on a du renouveau, on a de la transformation positive, on a des vœux réalisés. On vous dit ici, faites un vœu, hein, faites un vœu, il se réalisera. Et alors, on n'a de toute façon que du positif en amour. Donc, si même vous vivez un moment difficile et compliqué parce que vous êtes dans une rupture sentimentale, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous peine, bien sachez que ça va s'arranger. D'accord? J'ai pas dit que vous allez spécialement vous réconcilier, mais ça va s'arranger. Donc, ça, cette peine-là, elle va bientôt partir. D'accord? Alors. Nous avons une petite pierre, donc j'ai un cristal de roche. Donc moi, on a vraiment ici au milieu, nous avons de la du bonheur, de la joie, de la protection. La famille, les enfants, l'arbre généalogique, donc des choses qui vont être révélées, des révélations. J'ai un couple qui se forme. Un couple qui se forme. J'ai un lieu, j'ai quelque chose qui bouge par rapport à un lieu, le lieu de travail, la résidence, des changements de résidence, quelque chose qu'on croyait auquel on ne croyait plus, qui va bouger et ce sera très positif. On a la chance ici. On a de la chance. On a les astres qui sont là avec nous. Donc peut-être qu'on vous dit, c'est bizarre, mais on vous dit peut-être suis. Travaille avec la lune, demande à la lune, demande à la lune quand elle est nouvelle ou quand elle est pleine lune, posez vos énergies au bon moment, d'accord? Ça pourrait vraiment être ça aussi. Je pense aussi que si vous êtes tombé, vous allez vous relever. On est dans des superbes énergies de reconstruction. De construction de famille, de reconstruction familiale, de construction par rapport aux enfants, de construction, de réparation, on peut dire ça comme ça, réparation de la santé, réparation avec la chance, donc la chance revient, protection, famille, lieu de vie, lieu de travail, donc un lieu, mais dans le sens probablement plutôt un lieu bâtiment. Pas spécialement un lieu, une forêt, ou peut-être aussi, c'est peut-être aussi. Ça me parle ici où c'est vrai, d'un lieu, oui, peut-être. Un lieu où vous allez peut-être aller poser des attentions. Un lieu où vous allez aller enterrer votre papier sur lequel vous avez noté votre rituel. C'est possible aussi. Donc, on est dans de belles énergies, dans des énergies qui sont des choses qui ne bougeaient plus, qui vont maintenant bouger. C'est vraiment ce mot-là qui me revient aujourd'hui, c'est cold case, donc des choses qui sont froides, qui vont se rouvrir. Cold case, en général, ça veut dire une affaire qui n'est une affaire de justice qu'on a oubliée ou qui ne bouge plus, et là, ça va bouger. On est dans des énergies où ça va bouger.
ça va se réchauffer, ça va dégeler. Peut-être qu'on va vous diriger aussi, on va vous diriger vers un endroit. Écoutez aussi, parce que vous pourriez, cette histoire de choses qui se décongèlent, donc cette situation congelée, cette situation gelée, peut-être que c'est quelqu'un qui vous bloque d'une manière ou d'une autre, encore avec des énergies. Vous allez pouvoir, je tourne dans ce sens-là, parce que là, je préfère tourner dans ce sens-là, donc vous allez pouvoir retrouver votre libre arbitre, parce que peut-être qu'on vous a enlevé votre libre arbitre. Et là, maintenant, c'est le temps de le retrouver. C'est le temps de retrouver votre libre arbitre. Ouais, d'où mon chat noir, d'où les astres, d'où la pierre. Ouais. Donc oui, il est très possible qu'on ait fait un petit travail sur vous. Alors, ça peut être aussi le mauvais œil. Donc, quelqu'un, alors on peut recevoir le mauvais œil de la part d'une personne qui ne se rend même pas compte qu'elle vous l'envoie. Ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un, même une personne, un piéton dans la rue. Vous allez, la personne qui vous regarde à ce moment-là va vous jalouser parce que vous avez justement quelque chose qu'elle convoite. Vous avez la chance d'avoir une belle voiture, vous avez la chance d'être avec un beau mec ou d'être avec... Il n'y a pas que la beauté qui compte, hein, je ne sais pas. Je sais, mais c'est pas ça. Voilà, cette personne, elle veut ce que vous avez, elle veut pouvoir... Et elle vous regarde, elle veut vos cheveux, elle veut vos yeux, et elle veut tellement, tellement, tellement qu'elle vous regarde avec tellement de haine, sans le vouloir, qu'elle vous recevez le mauvais œil. Et du coup, il faudra... Là, peut-être que vous vivez avec depuis un moment, donc vous vous sentez mal, vous êtes mal dans votre peau, vous avez parfois envie de pleurer aussi, vous avez mal la tête, vous ressentez des choses bizarres, mais là, vous allez pouvoir... ces choses-là vont changer. Donc, vous allez retrouver un bien-être. Je pense aussi que c'est le karma. Donc, la personne qui pourrait avoir fait vous avoir envoyé ces mauvaises énergies, là, c'est maintenant le moment pour elle de les recevoir en retour. Donc, ces mauvaises énergies qu'elle vous a envoyées, elle va les recevoir en retour. Mais aussi, vous devez vous en débarrasser. Donc, il y a un petit travail à faire peut-être par rapport à ça. Ok ? Voilà, les amis. Mon Dieu. Bon, voilà. Pour ce qui est des énergies de la semaine avec les breloques. Moi, je vous fais des gros bisous. Si on en reste là, sinon je vais faire quand même le oui ou le non pour ceux qui veulent. Sinon, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite plein de bonheur. N'oubliez pas de rester positif tout le temps. On va prendre le petit Lenormand. Donc, il y a deux monsieur et deux madame. Dans le Waldorf Lenormand de notre ami Maria Costanza. Et on va faire oui ou non. Donc, posez votre question. Question fermée. Qui va demander un oui, qui va avoir comme réponse un oui, un non, ou on ne sait pas. Donc, on va voir. Si le oui, c'est l'anneau, le non, c'est la croix. Prenez ce qui vous parle, ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. D'accord? Je vais poser aussi ma question. Bon, j'espère que ce sera oui. Allez, on ne tombe pas, donc on va couper le chien et l'enfant. On a la fidélité par rapport à quelque chose qui commence. Donc, il y a quelque chose qui commence. On a cette fidélité, peut-être une nouvelle amitié aussi, par exemple. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est non. Moi, j'ai loupé l'anneau. Bon, l'anneau, il était là. Donc, c'est non. Je ne prends pas, moi. Pas du tout. Mais bon, on verra. Je ne saurais pas le dire maintenant. Je saurais le dire dans un mois. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petite histoire? Il y
y a une personne de la famille qui a des ennuis, qui a des soucis. Parce que cette personne n'est pas très honnête. Ou vous allez... Attention, parce que vous pourriez savoir que quelqu'un de la, c'est quelqu'un de la famille qui vous a pris, qui vous a volé quelque chose. Vous avez peut-être... Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui a influencé un parent. Peut-être votre maman, votre papa ou un parent. Ou qui va, il y a quelqu'un de la famille qui pourrait essayer de vous faire prendre de mauvaises décisions pour profiter mieux de vous. Vous avez, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver. Des nouvelles, alors c'est, ça on a plutôt la notoriété qui est en train d'arriver. Nous avons ici, j'ai la poste, donc du courrier ou des colis, etc. J'ai un lieu public, évidemment, avec le jardin. Donc, pour moi, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver, où vous allez recevoir un colis, des nouvelles qui sont en train d'arriver. Des personnes qui vont vous donner de leurs nouvelles, des personnes qui font partie de votre entourage. Vous allez penser d'abord, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous prendre peut-être un peu la tête, mais vous allez, c'est le bonheur, d'accord ? On a la joie, on a le bonheur, on a la réussite, on est vraiment dans de magnifiques énergies ici. Donc, des révélations, peut-être. Il va peut-être y avoir des révélations. Donc vous allez comprendre que la personne, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous vivez une situation, cette situation-là, vous allez vous rendre compte que la personne en qui peut-être vous avez confiance, ben en fait c'est pas une bonne personne. Et peut-être, probablement que c'est une personne qui fait partie de la famille ou qui fait presque partie de la famille. Je ne peux pas parler de maladie. Hein. De toute façon, voilà, c'est pas... Parce que l'arbre, c'est de la santé. Mais, non. Je pense ici, c'est vraiment quelqu'un de la famille qui pourrait être de mauvais conseils. Maintenant, nous avons du très positif qui est en train d'arriver. Des révélations. Donc, vous allez comprendre que cette personne-là, il vaut mieux ne plus la fréquenter. D'où peut-être, justement, vous voyez, la famille, le foyer, le serpent... De nouveau, on a le serpent ici avec l'arbre, donc l'arbre c'est aussi la famille. On est quand même dans des énergies de jalousie, j'ai envie de dire, par rapport à la famille. Soit c'est, pour moi c'est plutôt quelqu'un qui est jaloux dans la famille, mais aussi on peut jalouser votre famille. Oui, ça peut être ça aussi. Mais finalement, les choses se passent bien. Finalement, les choses se passent bien, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, on va quand même vers de la joie et du bonheur. Je pense quand même qu'on est un petit peu dans des révélations ici, ou dans des prises de conscience, voilà, peut-être des prises de conscience. Ok. Ben voilà, les amis. Bon, c'est non, moi je ne le prends pas. Hein. Prenez si vous voulez, moi je ne le prends pas du tout. J'espère que non, on verra quand je serai rentrée. Et je vous fais plein des bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite une belle semaine et surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyez positifs, soyons positifs. Bisous, bisous.